Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Kate et nos passions. Alors aujourd'hui, je sais que beaucoup de youtubeuses font ça, bon je ne me considère pas comme telle entre nous, je fais des vidéos, point barre. Donc on est le jeudi 26 mai. Aujourd'hui je vais vous présenter un unboxing que j'ai reçu depuis longtemps. Il n'y a même plus la date, j'en suis sincèrement désolée. Que j'avais gagné sur AliExpress de Point de Croix. Oui, parce qu'il y a comment ça s'appelle, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, auquel des trucs qu'on participe et qu'on gagne en fonction de ce qu'on choisit sur AliExpress. Et en fait, en fin d'année, donc c'est en fin d'année, mais j'ai reçu en début d'année, j'ai gagné plein de trucs en DP, peinture par numéro, ou enfin, c'est surtout peinture par numéro ou même DP, je crois. Et Point de Croix, j'ai gagné des trucs. Alors là, c'est un petit Point de Croix que je vais vous présenter tout de suite. Alors, c'est une toile qui fait 38-48 et j'ai trouvé, mais vraiment, comment vous dire, trop rigolo. Donc voici, comme à mon habitude, je vous montrerai l'image originale une fois la présentation faite. Donc le petit outkit qui se présente d'un enfil-fil, d'un coupe-fil, d'un coupe-fil, enfin, un ciseau quoi, un dé, parce que ceci c'est un dé, et une petite boule avec des aiguilles. Donc là il y a trois aiguilles. Donc je vous ai dit combien elle mesurait, 38-48, donc c'est une toile qui fait 30 sur 40, donc pas immense, mais comme on sait, hein, le point de croix c'est plus long que le DP. Plus deux trieurs de fil pour les ranger. Ils en ont mis beaucoup. Je pense pas qu'il y ait autant de couleurs. Voilà, il y en a deux, 32, 33, ouais, jusqu'à. Non, je pense pas qu'il y ait 49 couleurs. Et encore derrière, ça continue en fait. Bon, bref. Les cotons. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cotons. Je vous montre les couleurs en rapide. C'est les tons beige, vert, gris, marron, prune. Une petite fiche de détails détaillée avec le nombre de fils et tout pour faire la checklist, la référence des fils, tout ça. Et j'ai même pas contrôlé pour vous dire. Donc c'est une toile estampillée. Ah, non, je croyais qu'il y avait des aiguilles là. Donc elle est, non c'est pas une toile qui est surjetée, donc je vous conseille de le faire. Elle n'est pas du tout surjetée la toile, comme vous pouvez le voir. Et là voici, donc là vous ne verrez pas grand chose. Vous voyez des cornes et une rondeuse de forme. Et je crois que je vais l'attaquer en fait, parce qu'elle est petite, les autres elles sont grandes. J'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose de petit. À vue d'œil c'est du 11 CT, je n'ai même pas vérifié. Est-ce que c'est marqué? Ce n'est pas marqué. Mais ça, c'est du 11. C'est pas du 14. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de mon mètre et de ma règle. Vous voyez, je ne suis même pas opérationnelle. Il y a 20 couleurs. Donc, ça va. Bon, là, c'est très confetti. Hein. Là, ça l'est moins. Ce sera plus cool. Hein. À vue d'œil, c'est du 11 CT. Voilà, il n'y a pas à réfléchir 3 heures. Je le vois, je commence à être habituée, je suis habituée. Et non, ce n'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Donc voici l'image. Mais est-ce que c'est pas marrant ça? Est-ce que c'est pas rigolo? Une espèce, c'est un animal mythique en fait. Ou je sais pas, un buffle à poils longs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est comme animal. Mais j'ai trouvé tellement rigolo avec son sourire là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec son petit sourire. Il est trop marrant. Donc, ça c'est le petit livret qui est joint avec. Hein. Pareil, vous avez la référence avec les couleurs. Je vais l'attaquer ce soir même celui-là. Tiens. Donc je vous montrerai mon avancement. Et sur deux pages, ça se présente. Donc c'est petit, hein. Ils auraient pu faire un peu plus grand. Mais on voit bien quand même. Je sais pas s'il fait mise au point, mais bizarre ma webcam.
Bref. Le plus important, c'est sur la toile. Hein. Enfin, le plus important, non, mais... Sur la toile, c'est relativement bien imprimé. Je sais pas si c'est mon logiciel qui fait que... Mais je crois que c'est la webcam, j'ai fait un live tout à l'heure. Ouais. C'est apparemment, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Je suis déçue. Voilà, c'est une webcam reçue en test, hein, Amazon. Voilà, on va pas se plaindre. Donc, voici, voilà, voilà, le petit unboxing du point 3. J'espère que ce petit partage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Bisous, bye et merci.